Avec Aurélien Sourouille, donc centre Occitain, qui était au cœur des débats, il a pris donc un carton par rapport à un anti-jeu d'Agde. Qu'est-ce qui s'est passé et comment as-tu ressenti ce match? Ce qui s'est passé, c'est que sur plusieurs rucks, ils étaient à la limite de la faute, sans compter qu'ils mettaient quelques coups de poing, quelques fourchettes, donc vu que c'était pas sanctionné par arbitre, on n'a pas forcément bien réagi. Alors on s'est rendu, quoi, clairement. Il va falloir qu'on ait plus de maîtrise sur ça, parce que ça peut nous coûter cher. Là, on prend un rouge, moi je prends un jaune. Donc voilà, on sait que sur ça, il faut qu'on progresse. Après, on disait avec Roland, les phases finales, ce ne sera pas le même cadre de jeu, quoi. Ce sera beaucoup plus tendu, mais on disait aussi que l'indiscipline peut, sur une petite erreur, coûter cher sur ces matchs où le moindre erreur peut se payer cash. Mais tout à fait. On aura encore un match de préparation dans les phases finales avec Oloron. Et puis après, c'est sûr que la moindre faute pourra se payer cash, le moindre carton pourra nous coûter très cher. Donc voilà, il faut qu'on progresse sur ça. La semaine dernière, on a pris 3 essais, aujourd'hui on n'en prend pas, on prend 0 points. Donc déjà, on a rectifié le tir défensivement. Maintenant, il faut qu'on rectifie le tir sur ce genre de faute-là. Alors après, je pense que sur les phases finales, les équipes auront intérêt à mettre dans l'anti-jeu, à tricher, à mettre des coups de poing, parce que eux aussi sont sanctionnés. Et à 14 contre 15 aussi, vous avez montré une grande maîtrise qui vous a permis de vous envoler sur ce match. Clairement, on a recentré les débats, donc on a été performant devant, sur les ballons portés, sur les mêlées, et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le peu de ballons qu'on a vu, on a essayé d'envoyer un peu de jeu, mais bon, chaque fois c'était ralenti, donc c'était compliqué de remettre de la vitesse dans le jeu. Donc aujourd'hui devant, ils ont été ultra performants, et c'est ce qui nous a fait du bien, quoi. Merci Aurélien. Avec plaisir.